Bercé par la musique depuis son enfance, Aline Wade est un artiste sénégalais, auteur, compositeur. Le bassiste mélange les genres et les mix avec brio, comme l'illustre son nouvel album African Fast Food, un opus digeste qui tire ses ingrédients un peu partout sur le continent. C'est plutôt l'ambiance qui règne dans un restaurant africain ou dans nos maquis en Afrique. Il y a du jazz, il y a de l'afrobeat, il y a de la musique de l'Afrique de l'Ouest, comme du Nigeria ou Mali ou Sénégal. Je chante en wolof, en français et en anglais aussi un peu. Pidgin, l'anglais qui se parle au Nigeria ou au Ghana. Et voilà, c'est cette ambiance qu'on avait dans le studio. C'est ce qui nous avait vraiment donné envie de continuer ce projet, moi et les musiciens avec qui j'étais dans le studio. Et c'est par la suite qu'on a choisi le titre African Fast Food, en fait. À 38 ans, fils de musicien, l'artiste a une histoire particulière avec la basse, mais d'abord avec la batterie, avec l'étau familial. Mais au final, c'est l'instrument aux quatre cordes de basse qui lui paraît en filiation naturelle avec l'Afrique qui l'emporte. C'est un instrument qui est assez présent dans la musique africaine, notamment la musique sénégalaise. Et au début, c'était la batterie, mais je trouvais que c'était un peu trop bruyant. J'ai changé, j'ai pris la guitare, mais il y avait pas mal de jeunes guitaristes à l'époque au Sénégal. Et j'ai choisi la basse grâce à la musique de Youssou N'Dour ou d'Omar Penn et tant d'autres, beaucoup de musiciens africains. Et j'ai vraiment été fasciné par cet instrument, en fait. African Fast Food est le troisième disque personnel de Aline Wade. L'artiste a déjà collaboré avec des musiciens de renom tels que Marcus Miller, Ismaïl Lo ou encore Cheikh Tidiane Seck.